qui sur cette planète a les couilles de vivre la vie dont il rêve? Très peu de gens. Moi j'ai baisé une naine, qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai kiffé. Natalia. Do you like my dick? Of course. Ah. Putain, c'est quoi son nom? Iflou. Dans le sexe, chacun a son fétiche, ok. Genre imagine que toi ton délire c'est de voir des naines asiatiques se faire enculer, ok, je respecte. Et tu vas voir un site où t'as toutes les vidéos, les meilleures vidéos du monde de naines asiates qui se font défoncer le cul. Est-ce que je l'ai encore son message d'insulte? Non, ça c'est la copine que j'ai baisée. C'est ça. Le psychologue c'est un mec qui fait et quand t'as plus rien à dire il te relance. Oui, et votre oncle? Il vous le mettait ce doigt dans le cul ou pas? Le pire truc qui puisse arriver quand tu commandes un taxi, c'est que le conducteur soit en fait une femme. Je boucle ma ceinture, je serre fort mon talisman de Saint-Christophe, je pense à mon épouse, aux gens que j'aime, je pense à tout ce que j'ai pas eu le temps de leur dire. Je regarde par la fenêtre, en respirant profondément, bref, je fais de mon mieux pour gérer mes crises d'angoisse. Et là, elle se sent dominée. Également, t'es en doggy style, t'es là, ah oh ouais, ah oh, ça, oh. Et ben, tu sors ta bite. Tu poses ton pied sur son cul et là, bam, tu te sens dominant comme au sommet d'une montagne que tu viens de gravir. Ils attaquent là-dessus en mode « qu'est-ce qui fait pitié ?» Mais je fais pitié de quoi? Genre, mon chiffre d'affaires, c'est 10 fois le sien. Ma vie sexuelle, elle est... On va faire simple, hein. J'ai baisé plus de meufs que lui, son père et son grand-père réunis. Donc, il n'y a pas de « je veux pas deviner ce qu'elle pense ». Non, non, non. C'est... Deviens pédé, ok? Tu veux une relation avec quelqu'un de clair? Prends un homme. Et si jamais t'es avec une nana qui est belle, qui est sympa et qui en plus est claire, te dit vraiment clairement ce qu'elle pense, t'es probablement avec un transsexuel, méfie-toi. C'est bien frérot, ne te soumets jamais à une pute. Non mais tu vas à une pute pour te détendre, pas pour te soumettre. Ou alors, si c'est ton délire, tu vas à une pute sadomaso qui te fouette, qui te met des bougies dans le cul. Quand j'étais gamin, j'aurais jamais rêvé que je me taperais des meufs pareilles. Et puis il faut voir, je me les tape avec la carte VIP, c'est-à-dire je peux lui faire ce que je veux à la meuf, tu vois. Tous les trucs qui me passent par la tête, ah ben c'est moi le producteur, le directeur. Donc la meuf, si je la mets à quatre pattes et que je lui envoie un os en disant va chercher, elle va le chercher et après elle miaule en me suppliant de l'enculer. J'aimerais une grosse vague de pouces bleus pour virtuellement trinquer avec moi. Vous pouvez faire ça les gars? Est-ce que vous pouvez soulever votre avant-bras, prendre votre souris dans les mains ou votre téléphone, ce que vous voulez, je m'en fous, et cliquer sur ce petit bouton comme si c'était un clitoris. Cliquez plusieurs fois dessus. Après, vous mettez de la salive sur le doigt comme ça. Et là, vous jouez avec le bouton, vous êtes là, oh, t'aimes ça, et là, tu recliques comme ça, là, ah, oh, tu craches dessus, et tu recliques. Ok, comme ça, je suis sûr d'avoir mon putain de pouce bleu à la tienne, frérot.